Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle méditation. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour nous balader ensemble dans la jungle. Installe-toi confortablement, de préférence couché, afin de pouvoir rester sans bouger le temps de ce voyage. Tu es bien installé et tu fermes tes yeux comme si tu fermais les volets d'une maison afin d'être plus au calme et à l'intérieur de toi-même. Et maintenant, tu commences à ressentir ton corps, sa chaleur, maintenant, concentre-toi sur ton nez. Sens l'air frais qui entre dans tes narines lorsque tu inspires. Et essaye de sentir l'air un peu plus chaud qui sort de tes narines lorsque tu expires. Très bien. Continue. Fais cela comme un jeu. Concentre-toi sur l'air qui entre et sort de tes narines pendant quelques instants. Et maintenant, quand tu inspires, répète dans ta tête « Je suis calme ». Et quand tu expires, tu fais pareil. Tu répètes dans ta tête « Je suis calme ». Voilà, continue encore un peu. Et maintenant, pour que tu te relaxes encore plus profondément, tu vas imaginer que tu descends un escalier qui a 10 marches. Je compte jusqu'à 10. Et lorsque j'arriverai à 10, tu seras en bas de l'escalier. 1. Descends la première marche. 2. Descends. 3. Descends encore. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Te voilà en bas de l'escalier et tu te retrouves devant une porte. C'est une porte très lumineuse. Tu ouvres la porte et tu arrives dans une grande forêt très dense, très verte. Tu viens d'arriver dans la jungle.
Là, un énorme éléphant t'attend. Tu sens que cet éléphant est ton ami, ton guide pour ce petit voyage. Bonjour, te dit-il. Je t'attendais pour te faire découvrir la jungle et les animaux qui y vivent. Il t'attrape doucement avec sa longue trompe en l'enroulant autour de toi. Il te soulève et te dépose sur son dos. Tu es maintenant assis sur le dos de l'éléphant. Tu te sens en sécurité. Et tu découvres de là-haut cette immense forêt. Il y a des arbres énormes à perte de vue, des oiseaux qui chantent. Tu entends même des bruits inconnus. Et il fait chaud. Les rayons du soleil passent à travers les branches des arbres. Et tu trouves la lumière de cette forêt très belle. Tu découvres cette belle végétation. Il y a des fleurs magnifiques, très colorées. Tu regardes tout autour de toi. C'est très beau. Et tu prends le temps de respirer profondément dans cette jungle. De nouvelles odeurs arrivent à tes narines. Tu vois maintenant des papillons énormes, multicolores, qui voltigent autour de toi comme pour te souhaiter la bienvenue. Tout est nouveau, inconnu. Tu es comme un explorateur. Tu aperçois un très gros serpent qui est enroulé autour d'une branche sur un arbre. Il semble dormir. L'éléphant te dit : c'est un boa, un des plus gros serpents de la jungle. Et ici, il y a beaucoup de reptiles. Les reptiles, ce sont toutes les sortes de serpents. Et tu vois, à présent, un peu plus haut, un perroquet presque tout rouge, magnifique. Il te regarde. L'éléphant t'explique que ce perroquet est un hara rouge. On l'appelle ainsi parce que la majorité de ses plumes sont rouges. Tu remarques qu'il y a aussi du jaune et du bleu dans son plumage. Il est très beau. Tu l'observes quelques instants en te disant que la nature est très belle. Tout à coup, un grognement impressionnant survient et l'éléphant te prévient. Un tigre arrive, mais sois rassuré, avec moi, tu es en sécurité sur mon dos. Effectivement, tu vois arriver un énorme tigre. Il est magnifique, tout tigré d'orange, de noir et de blanc. Tout surpris de te voir ici. Et en voyant l'éléphant, le tigre fait demi-tour et repart tranquillement.
L'éléphant t'explique que dans cette forêt, il y a d'autres fauves. Des panthères, des guépards, et que ce sont des animaux très dangereux, comme les serpents. Mais bien évidemment, sur mon dos, tu es en sécurité. Et grâce à moi, tu peux te balader tranquillement dans la jungle. Voici maintenant que tu entends des cris perçants, comme les enfants lorsqu'ils jouent dans la cour de l'école. C'est une bande de chimpanzés joyeux et turbulents qui sautent de branche en branche. Ils s'approchent de toi pour t'observer. Ils sont très curieux. L'éléphant te dit que dans la jungle, il y a plein de sortes de singes. Des petits comme les ouistitis, des plus gros comme les babouins et les gorilles. Et que tous ces singes font partie d'une famille appelée les primates. Tu regardes les chimpanzés un moment. Ils sont rigolos, chahutent, jouent, sautent et crient. Tu es content de découvrir tous ces animaux qui vivent là, dans cette végétation. Tu passes un bon moment avec l'éléphant qui t'emmène maintenant vers un point d'eau. C'est un endroit où les animaux se rassemblent parfois pour boire. Là, tu vois des rhinocéros avec leurs grosses cornes au milieu du front. Dans la rivière, il y a aussi des hippopotames. Tu vois juste leurs gros yeux qui sortent de l'eau. L'éléphant t'apprend que les rhinocéros, les hippopotames et les éléphants font partie de la même famille d'animaux. C'est la famille des pachydermes. Tu observes un petit moment ces animaux qui se désaltèrent car il fait chaud ici dans la jungle. Et tu vois maintenant de merveilleux petits oiseaux colorés qui viennent se poser sur le dos de l'éléphant, tout près de toi. Tu pourrais presque les toucher, mais tu ne le fais pas, afin de ne pas leur faire peur. Tu les regardes un instant et tu profites un peu de leur compagnie. C'est si rare d'avoir de si beaux oiseaux près de soi. L'éléphant te fait comprendre qu'il faut rentrer tout doucement. Il fait demi-tour. Toi, bien évidemment, tu continues encore d'observer cette jungle le temps qu'il te ramène. Tu es bien, rempli de joie. Tu te sens chanceux d'avoir fait ce voyage. Voilà, l'éléphant te dépose devant la porte de l'escalier. Tu le remercies pour cette découverte de la jungle. C'était super et il était un très bon guide. Tu fermes la porte derrière toi
et tu remontes l'escalier. Tes yeux sont remplis de toutes les beautés de la jungle. Tu te sens heureux, en pleine forme. Tu es là. Tu es revenu. Tu reprends conscience de ta position, de ta respiration. Et quand tu seras prêt, tu pourras bouger et t'étirer doucement. Voilà, la méditation est terminée. Je te dis à très bientôt pour un nouveau voyage intérieur.